Shalom, bien-aimés de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce matin, mon frère, ma sœur, la première phrase que je vais te dire, c'est celle que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Et plus loin, il rajoute, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse car dans la première lecture, Paul parle à Timothée et lui demande de rester ferme dans la foi, quelles que soient les épreuves. Oui, et quand nous avançons plus loin au niveau de l'Évangile, Jésus dit ceci, et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Donc, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. Mon frère, ma sœur, c'est ce Dieu qu'on va chanter aujourd'hui. Ce Dieu qui pourvoit à nos besoins, ce Dieu qui donne tout gratuitement, celui qui efface nos péchés quand nous nous approchons de lui à travers le sacrement de la réconciliation, celui qui nous accepte tel que nous sommes, qui nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, celui qui n'attend rien en retour à part que nous acceptions d'être en sa présence. Je ne sais pas celui que toi tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que toi tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que toi tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que toi tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Mon pourvoyeur c'est le Dieu d'Abraham, celui qui libère c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui guérit c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu qui bénit c'est le Dieu d'Abraham. Dieu qui restaure, c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham. Mon frère, ma sœur, il est bon, il est juste, il est si apaisant d'être en ta présence, d'être en la présence du Seigneur. Seigneur Dieu, en ce matin, comme le Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu qui console les cœurs brisés, le Dieu qui apaise les tensions dans nos familles, le Dieu qui restaure les foyers, le Dieu qui se charge de l'éducation des enfants qui se détournent de ton chemin. Le Dieu qui guérit ceux-là qui sont dans la tourmente.
Seigneur, nous te disons merci. Merci pour celui que tu es pour nous. Qui serions-nous sans toi? Où irions-nous loin de toi? Seigneur, ta présence nous fait du bien ce matin. Je te bénis et je t'adore. Je te glorifie et je t'élève. Seigneur, je te chante de tout mon cœur et de toute mon âme. J'élève mon âme et je te la donne. Reçois ta restauration ce jour, mon frère, ma sœur. Toi qui souffres, abandonne tout ton fardeau aux pieds du Seigneur. Il s'en chargera personnellement et il s'en charge même. Ce que tu espères dans ton cœur, le Seigneur te le donne. Alors formule ta prière et espère en lui. Il ne te décevra pas. Merci Seigneur pour ce jour. Nous t'élevons et nous te glorifions. À genoux, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.